Bonjour mon ami. Vous avez pour révéler ce que vous avez dans le cœur et vous avez oui, le Gamba Liboso, raison à Liboso, on a mandat au monde en athée. Le président est donc parti de PES. Et Tinda Kinga est la cabine, la province Salomami, qu'on a ordination. Mais il y a qui est en Océan, est-ce qu'on a besoin de vie démocratique? Comment on a que le Kamouya Banyamouling est créé, maman n'a pas le monde en Kamouya Banyamouling? Il faut comprendre que le Kamouya Banyamouling est en Océan, le Kamouya Banyamouling est en Océan. Ok, ça va. Vous parlez de Banyamulenge d'une façon générale. Mais vous voyez que la nation est constituée et constituée dans la migration. Vous voyez que ce n'est pas passé, puisque vous avez réfugié. Donc, vous voyez que avant 1960, vous avez déjà dans le Congo avant toujours l'indépendance. Tant toujours indépendance, Bazaliawa, Bazaba Payate, Bazaba Congolais. Attention, vous avez bien que Beni Rwanda. Donc, vous avez bien que Rwanda, Bazalaka avant 1960, et que Gatamaki, Bazana Congo, Bazaba Congolais. Tout comme vous appelez Naba Soudanais. Vous avez bien que Soudanais. Donc, vous avez bien avant, toujours indépendance, Bazaliawa, tout ça n'a pas. C'est pour cela que je suis habité à Kimila, qui a eu une histoire du Congo, et madame, la 5e année primaire, et qui a eu un livre sur l'histoire du Congo. Je suis dit que non, le Congo est constitué de 5 races, les Bantous, les Semi-Bantous, les Nilotiques, les Pygmées et les Soudanais. Par exemple, je prends l'exemple des Soudanais. Qui sont les Soudanais en République démocratique du Congo? Nous avons les Mbaka, les Ngwandi, les Logo, les Ouou, les Zande, et que sais-je encore. Bah, il y a 4-5 dans le centre d'Afrique, il y a des gens. Bon, les lots, attention que tu m'as dit, il y a des Bandi, ainsi de suite. Mais d'une façon générale, ce sont des Soudanais. Entre eux, ils s'appellent généralement les Noko. Ils s'appellent les Noko. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez encore vous soulever pour dire que non? Parce qu'on n'est pas dans Bango. Non. Le problème, c'est que les gens, ils ont dit, piège, mon nez. Oh, il fallait tout le temps avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez créé un sauveur dans la République démocratique du Congo. Tout comme on a l'état de Minembwe, dans la République démocratique du Congo, c'est dangereux. Qui est Congolais? Vous avez Congolais, c'est celui qui défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le fait de naître seulement au Congo qu'on peut se dire qu'on n'est plus Congolais. Un vrai Congolais, c'est celui qui défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Tandis que ceux qui ont défendu les intérêts de la République démocratique du Congo, on va défendre les intérêts du Rwanda, c'est ce qui fâche. C'est ce qui fâche. Puisque quand on parle de la nationalité, et dans la nationalité, où nous sommes en Botama, de père et de mère, donc Congolais. Et dans la famille, nous sommes tant que vous défendez le Congo, vous Congolais. Prenons le cas de Kengo Wadondo. Kengo Wadondo, son père est polonais, sa mère est rwandaise. Mais avant d'être au Congo, premier ministre plusieurs fois, ainsi de suite, mais impression qu'il défendait les intérêts de la République démocratique du Congo. À ce moment, ça n'a pas posé assez de problèmes. Tout ça, c'est Moïse Katumbi. Vous voyez que papa n'a pas juif. Maman n'a pas zambien. Bon, de quoi donc il y a tout à tout le monde. Si vous prenez bien sûr de l'année dans vos cabinets, vous allez vous soutenir, Banyamulenge va prendre la vie démocratique du Congo, va hériter. Non, non, Nazo Linga va s'intégrer, va se comporter comme les Congolais. Et puis, va se contenter na mwanda mwa mabilo wa pesa ki bangwana bavanda. Omoni ke bantu wana suku bazalaki lokona na frontière entre biso na Rwanda, mais le parti wana déjà ici que na Rwanda. Et maintenant comme les autres dessages, on les a mis à 600 km du Rwanda. Donc à l'intérieur vraiment de la République démocratique du Congo, c'est difficile parce que le bobalingi bazo mabilo na biso ba kozwa kangote ata suku jesiti jesi akoya kitena mabilo wa kinete. Mais bango nde tous ces bango ba s'intégrer. Le problème, c'est le problème d'intégration. Même quand on parle de la commune de Minembwe, commune rurale, pour la commune rurale, c'est la commune rurale, il faut poser 20 000 personnes. Mais on ne peut pas 20 000 personnes. On ne peut pas parler encore de ça. Et puis, superficie, où il y a des octroyés, il n'y a pas de
Si on va peser nous donc on va réfugier, on va dire bon parti ou pour vendre un goyo. Contentez-vous de ce parti là. Si vous avez un bon compte à coller Kabaluba, donc puisque Kalaming était basé qui moins de 10 000. Donc quand Kabambulo il est qui ce qui combien d'années wa, Bakuki 7 ans plus tard Bakuki déjà 20 000. Basse pour tant d'engagé. Peut-être mais un mot. Comment on a procédé au ministre de décentralisation ou la procédure qui prend en cours? Comme ça, il y a un peu de temps. Il peut être invité le corps de Bamoussous. Il faut qu'on l'envoie par interview. Vous voyez, par exemple, il y a un problème. Donc, qui est allé installer? Point d'interrogation. Ce qu'on a la majorité de Bantouan, c'est le FCC. C'est le coup du FCC. Est-ce que vous avez le FCC pas condamné? En dehors, il habite à Kouir. Pas condamné. C'est pour vous dire que les gens qui prennent la Bango, ils ont le coup de Bazoluka, côté Nini, étincelle, et au Bande Lambeba. Pour plan de banque d'organisation et tout ça. Mais je pense que nous sommes très souples. Nous n'allons pas les rejeter en bloc. Chacun devant sa culpabilité. Puisque tout le monde est rejeté en bloc, donc, dans les Nations Unies et côté de la banque, pour ne pas protéger la banque, nous risquons de leur octroyer un état dans un état, et ce qui ne sera pas souhaitable. Merci, Bazali. Je vais vous prendre ma commande. En tout cas, je ne suis pas joie. Je suis venu à l'Assemblée nationale. Nous avons Madame Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, à nous s'entêter à organiser le congrès pour la déjouer à côté de sa main. C'est comme s'il y a un bras de fer entre elle et la présidente. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que il est en train d'envoûter les gens. Pour cette constitution et lobby, donc le président qui dissoudre l'Assemblée nationale, car s'il y a un conflit préexistant entre les institutions. Vous comprenez? Ce que vous avez créé, c'est Ali, Penza, bras de fer, devant la personne qui est la personne institution. Il y a Mabunde, animateur et institution, Azali institution. Tandis que Fati, Azali institution, président de la République, lui-même, comme individu, c'est toute une institution. Et puis, il y a des gens veillés à le bon fonctionnement d'autres institutions. Bon, quand on a dit que nous avons mobilisation, il faut que la mobilisation de façon que Fatia programme la prestation de serment à mardi. Il faut que nous avons dit que député avons dit que na yemoko bantu wana ba prêter na bango serment jusqu'au to constater absence ya Mabunda na nani na momo na zoloba tuzolinga tutika PPRD asa na nani pe opposition ngana lingi olia bongo a revoke ilonkamo a voter informateur to constituer majorité ya sika pour bato ye bazana FCC bazole la fort que PPRD azunyo kola bango azomo na bango kola ba marche pied na bango. La canise va partir politique wana, va consacrer la psycho dynamique moko autour de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, une coalition derrière le président de la République, où il occupe sa majorité à parler. Donc maman wana à Longwe. Donc à Longwe, puisque majorité ce qui est changé, tu as changé na bureau, tu mis premier ministre Moussoussou, dynamique moko derrière l'idéologie à Félix Tshisekedi, et puis nous allons marcher, nous pouvons récupérer le retard que nous avons connu pendant 2 ans, avec les trois, donc les 2 ans autres qui restent, puisque la troisième année, c'est l'année électorale. Donc, il y a une crise. Donc,
c'est confirmé le rôle de Margaret Thatcher. Donc, il y a des manipulé bango. Donc, machine na bango ya FCC qu'on a tourné, il manipulé bango. On a attendu que tout le monde image de Joseph Kabila qui n'est pas Kengo. Donc, ils ont un plan. Donc, à vous dire que. Quarante conseils des ministres. Donc, non, non. Donc, 160, mais à vous en a qui 40 mois. Bah, il y a organisé que peut-être le conseil des ministres. À vous en a qui conseil des ministres. C'est dans ma chaque semaine. Donc, or, un mois à quatre semaines, c'est autant de conseils des ministres. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème maintenant, c'est de voir quelles sont les ambitions de ces gens-là. Donc, ma canicine n'est pas en avant. Il faut toujours déjà maïl. Puisque nous avons le bac à mi-colonios, nous avons le lobby. Que veut le peuple congolais? Le peuple congolais veut l'arrestation de M. Kabila. M. Kabila, c'est un danger de la République démocratique du Congo. En tout cas, si on ne l'arrête pas, nous n'allons pas avancer. Mais c'est Kabila, c'est quelqu'un qu'il faut arrêter. Puis c'est lui la machine, la locomotive. Ce qui est gaga, Zouami, il va dire que nous avons un peuple qui s'occupe de Bango. Moi, je suis un bendana. Opération de Ibinda, Mikolo, il pense qu'ils allaient à la pointe de la canate. Mais en tout cas, ils allaient à la pointe de la parlementaire debout. Ils travaillaient de rache-pied. De façon que le temps va s'en aller. Donc, vous allez vivre une révolution jamais vécue partout, donc pas ailleurs dans le monde. Avant de poser la dernière question, avant de poser la question, il y a ministère, il y a ministère, comment dirais-je? Décentralisation. Non, non, ministère, ouais, passeport aux Aranimes. Ah, des affaires étrangères. Oui. Le Congo a le passeport le plus moins cher du monde. Jusqu'à maintenant, le passeport le plus cher. Bien, présent qu'ils ont déjà. Et qu'on a $80. Et bah, on n'a plus en été. Mais qui est-ce que tu as? Bon, donc, il n'y a pas que le problème de passeport. Donc, la Kabylie avait pris les pays en otage, vraiment en otage. Il n'y a pas que ça. Donc, la République démocratique du Congo a acquis beaucoup de marques à gagner. Un, il y a par exemple le permis de conduire. Suspendu, il y a de cela peut-être 2 ans, 3 ans. Arrêtez par un prima kangote. Mais l'air tout seul au bawa, permis de conduire et bimaka tous les jours. Quand vous avez besoin de ça, on te donne le permis de conduire. Na dato yo ba suspenda ki nango. Ozu yango lelo mais et très na validité peut-être il y a 2 ans. Pona nini bazo antidaté. Koto ibino bolobi, vous suspendez. Il y a manque à gagner de l'État. Koto yo bazo continue na ko livrer. Donc toye lisusu, il fallait déjà prévoir que non, dès que tout ce qui est déboyé, tout ce qui est fait contrat, il y a Bantouana, Babanda qui s'enrichit trop, il n'y a pas de passer pour moi. Il fallait déjà prévoir que non, comme il reste 2-3 mois, tout ce qui est déjà à disposition, quand on interrompt avec cette société, soit le Congo, l'État congolais, prend lui-même le problème de passer pour en charge, parce qu'il n'a pas de monnaie, il va imprimer le passer pour et puis il va livrer Bato. Ou soit, bah, je contrat, de façon que des choses puissent marcher. Ce sont des manques à gagner terribles. Donc, pour la République démocratique du Congo. Je sais que non, avec la lutte contre la corruption, nous allons aider le président de la République à maximiser vraiment des recettes, tout ça. Donc, on va voir, on va étudier pour que qu'on puisse utiliser le bâton magique. Pour que le 2021 puisse être une année vraiment de beaucoup de changements, une année de la révolution, une année de solutions. Donc, puisqu'il y a Zabili Dozer, Azadi Mboulamatari, Mboulamatari, il est venu casser de pierre, il est en train de tailler dans des roches. Donc, Fachi, sur le sang, il faut que tu aies dans le sang, mais ne fût-ce que quelques secondes. Puisque azo taillé na mabanga penza mbula matali penza ya solo solo wana na kikongo lobi kaser de pierre azo taillé nzela na mabanga. Donc bientôt nous arriverons. Pourtant Bill Mayombo qui est aussi na kati ya au sein de parti il y a pas de parti chez la chef d'état qui a pas dit ce que dit ils ont créé pas si mais comment on a pour bana bana benya ni comment on a gagé pour Béa na ministre la Lusso, Sylvain Moutoumou, revient dans la Ebongo ya vous avez comme présent et parti vous avez informé comme force des pouvoirs. Mon ministre Mubimba et on a chipé Iba et Pewana et Yena. Mais ce qui m'étonne,
les gens que nous respectons comme les hommes d'État. Nous sommes dans une zone vraiment rouge où on est en train de rechercher notre président, même pour l'abattre par le FCC. Donc, Bazolinga a créé une crise qui ne dit pas son nom. Bazolinga va barrer, donc, Bajijouan va prêter serment. Il y a des gens qui ont été force du progrès. Papa, il y a des billes. Il y a des associations qui ont été puisque ce sont des tricheurs. Personne n'a recruté ses propres donc, membres des associations. Parce que vous recrutez quand il y a des pèses. Même RDT, toujours, c'était un grand tricheur. Il y a combattant qui a des pèses. Quand il y a des Neville, il y a des JC Mwamba, il y a Kassanka, il y a Mbute Junior, donc AK-45. Ndenge tuzoragana ba Jules Kaloubi, ndenge tuzoragana ba Miyake, ba Kebano, ba nini, tosangane tolobike no, tosala mwa structure na biso, hein, de façon que na élection, tomona mwa ya ko se retrouver soki ba bandimi biso to postuler na une DPST. Soko yo koloba ke biso tozaba to ya DPST. Nde RDT wana. Donc pour nangai exact tricherie au kuti batu abatu yo bani ko lobake ba komi RDT o changer ka Congo et sikoyo balo bakana biso ba parlementaire debout na ba force du progrès sont des structures informelles ningi nini bo bani ko wala structure informelle, c'est-à-dire tout ça important biso de tomi e bakate, nous sommes très importants pour ces structures wana so dolobi ko to vendre ça yo to vendre ça yo biso de tomati sera batu so pe to kit sera batu. Au moins l'importance c'est biso biso miye bagaté tananinga zoko welango siko azowe la combo to azowe na ba élément bazana kati, c'est ça de la question qui se pose. Quelles sont ses ambitions? Moi je dis les messieurs là, c'est Sylvain Moutombo, c'est quelqu'un qu'il faut tenir à l'œil. Il est très dangereux, c'est un putschiste. Ya ko le bagaté to zaki na période ba coup d'état, il est capable de monter un coup fourré. Peut-être faire mouche, inquiéter les gens. Il est très dangereux. Il y a un encadrement autrement. Je comprends que si tu as un coup, tu as un coup. Tu as un la permanence. C'est lui le commanditaire. Quand même, on ne va pas du tout trop me contredire puisque le monde de renseignement, c'est un monde où nous avons passé notre temps. Je sais de quoi je suis en train de parler. Oui, je demande au peuple congolais d'être très vigilant ces derniers temps, puisque nous sommes dans une zone très rouge avec nos amis du FCC, surtout les peuperdiens. Donc, tout le monde a mis tout le monde a mis la querelle inutile. Total nanu makambo ezo le kawoyo to mona moya ko bengana mabunda nanta mo mwamba puisque ça s'appelle le parlement. Le parlement c'est l'ensemble de l'Assemblée nationale et le Sénat. Parlement wana nazolinga Felisa Panzango suka Panzango to luka to tikala kana Assemblée nationale moi c'est na wana avant de se mettre wana donc mboka iza besoin na mbongo pour na ko résoudre problème à peuple congolais. Mais si Gazali, président de la République, a séparé déjà que dès que la lutte contre la corruption, l'agence de la prévention et la lutte contre la corruption, tant que se mettre à l'œuvre, je pense que les recettes seront multipliées. Je ne dis pas. Je ne dis pas par combien, mais il y aura la multiplication. Au lieu qu'on parle de l'addition, on va parler de la multiplication. Et il sera très content. Oui, bande de combattants, il y a eu des pèses. Tout ce qui est en distraction, tout ce qui est l'ennemi numéro 1 qui est le FCC. Donc, si vous avez eu tout ça au pouvoir. Au point de se comporter, bah bande à quoi ça bise au bango basali à 65% à pouvoir ou non, ils sont tous à 35%. 35% en gros tous en on a balayé mususu. Mais si koyo tout ce qu'on a nous bakerel, tout en allant nous messieurs Kabila ou non, nous devons les donc les maîtriser. C'est comment est-ce que je dirais, c'est un escorpion.
Donc il faut le maîtriser. Si on le maîtrise, le Congo va décoller. Puisque moi, je trouve que c'est lui l'obstacle majeur du développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Et ceux aussi qui veulent me contacter, mon numéro est là, +243 81 515 25 68. +243 81 515 25 68. Et les autres, ils peuvent me contacter aussi, 243 99 70 111. Donc 243 99 70 36. Non, je réponds. C'est bon, merci. C'est moi qui te remercie.